sommet COP21, la contribution de l'Institut français de Madagascar. L'Institut français de Madagascar organise toute une série d'événements autour de la COP21. Celui d'aujourd'hui a été organisé avec l'Institut des métiers de la ville et la commune urbaine d'Antananarivo. Écoutons les précisions de Raphaël Maguet, chargé de coopération pour les régions Auvergne et Vakhnakaraj. Débat citoyen planétaire qui a eu lieu le 6 juin 2015 dans Vakhnakaraj, en Altinan, mais également dans 76 pays du monde. Donc, une consultation citoyenne mondiale qui est extrêmement novatrice sur les questions de climat et d'énergie et qui propose une méthodologie qui est aussi importante pour les territoires pour rapprocher finalement la façon de consulter ses citoyens. Donc c'était aujourd'hui une table ronde avec trois intervenants. Monsieur Fidel qui est un citoyen du Vakhnakaraj qui est venu représenter les citoyens qui ont participé à ce débat citoyen planétaire. Mialtina Raparib qui a été facilitateur pendant le débat citoyen planétaire et qui est aussi coordinateur d'un centre numérique, le Karen Karen, qui a accueilli le débat citoyen planétaire en Tirabé. Et enfin Monsieur David qui est animateur et qui a géré le recrutement du panel des citoyens en Atinana. Voilà, ça a été une matinée enrichissante et importante dans les échanges. On se rend compte un peu des problématiques actuelles pour la lutte contre le changement climatique et la façon dont les citoyens abordent la question. L'on apprend également que dans le cadre de la coopération décentralisée entre la commune urbaine d'Antananarivo et la région Île-de-France, un projet d'agriculture urbaine a été initié et 600 personnes ont bénéficié de ce projet pilote.